Salut à tous, Anna Omer pour Spirit of Metal. Nous sommes à Anaheim, Californie, avec Jean-François des Cataclysmes. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va. Donc, vous êtes cette année, ça semble une année très chargée. Vous avez fait déjà une tournée en Europe. Maintenant, vous êtes ici aux États-Unis, Amérique du Nord. Est-ce que vous avez eu de meilleurs moments, de pas aussi bien jusqu'à maintenant? Mais on a eu beaucoup de bons moments qui ont été assez incroyables. On a commencé la tournée en fait au mois de décembre. Et le premier truc qu'on a fait, c'est l'Australie. On a fait 5 concerts en Australie, on en a fait 7 au Japon. Ça a été incroyable aussi parce que c'est la première fois que j'allais au Japon. Okay. C'est vraiment un autre monde et puis on avait vécu beaucoup d'expériences assez intenses là-bas. Puis de là, on a été à Berlin, on a commencé la tournée européenne. Okay. C'était 38 dates en 37 jours. Oh. très intense, sans arrêt, soir après soir. Et puis, on a eu quelques semaines à la maison. Puis là, on recommence les États-Unis. États-Unis et Brésil dans 2 semaines. Oui, ça, je voulais vous demander, en fait, c'était une question. Est-ce que vous êtes, comment je veux dire, excited, en anglais, pour la tournée au Brésil? Oui, absolument, parce que encore là, c'est du nouveau. J'ai jamais été au Brésil. Mm-hmm. Super excité, ben, j'ai des bons amis à moi là-bas que je connais bien. J'ai travaillé en studio avec un groupe du Brésil qui s'appelle Psychotic Eyes. Okay. Ils étaient venus au Canada, on a travaillé ensemble et j'ai super hâte de revoir les mecs. Ah, et puis super. Là, on peut aller au Brésil pour la première fois. On a été en Amérique du Sud souvent, mais jamais Brésil, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, pourquoi? J'ai aucune idée, mais là, on a eu l'opportunité, on a dit « OK, ça, on y va, on met tout de côté, on va au Brésil. » Et puis. Je voulais parler un petit peu sur le nouveau album. Oui. Vous avez eu à mettre au marché au fin de l'année dernière. Souvent, quand je vois des interviews avec vous, vous dites que vous avez fait un peu, je peux dire, je sais pas dire ça en français, vous avez fait un peu outside votre zone de confort. Oui, oui, oui. Cet album. Est-ce que c'était une décision difficile à faire, de dire on va essayer ça, on n'a pas peur? Est-ce que c'était difficile? Pas vraiment, parce que nous, ça fait quoi, au-dessus de 20 ans qu'on joue dans le groupe. Et puis, en tant qu'artiste, c'est bon d'avoir un cheminement puis d'essayer de pousser des limites, de briser des trucs. Et puis, je crois qu'avoir été un peu en dehors de la boîte, comme on dit, pour certaines idées puis pour certains... arrangement musical, ça nous a fait vraiment du bien. Puis c'est là que la magie s'est passée, je crois, pour l'album. Et puis avoir Oli, le nouveau batteur, a amené beaucoup d'éléments frais. Puis ça s'est vraiment passé spontanément. Et puis on a écrit les chansons, on s'est regardé, on a dit « Ah, on a un album, allons en studio, enregistrons tout. » Et puis ça s'est très bien passé. Ah, super. Moi, c'est sur le nouveau batteur, Oli. Comment ça se passait avec lui au studio? C'était un peu différent? Ça s'est bien passé? Comment c'était? Oui, ça s'est très bien passé. C'était... nous, on avait travaillé une fois avec Oli. C'était sur la croisière, le 70,000 Tons of Metal. Max, notre batteur, ne pouvait pas faire la croisière. On a regardé alentour de nous et on connaissait bien Oli. On a demandé si tu peux venir faire le spectacle avec nous. Il est venu. Puis on avait déjà commencé à avoir une bonne chimie là-bas. Et quand on a eu besoin de voir nos options pour un batteur pour l'album, on a tout de suite demandé à Oli s'il voulait venir faire ça. Puis c'était le même truc. On est arrivé avec les chansons. Il a dit « Bon, écoutez, je vais respecter Cataclysme. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est? Je suis fan. J'aime le groupe. Mm-hmm. Puis je vais apporter un peu d'éléments à moi. Mm-hmm. » Et puis on a commencé comme ça, la composition des morceaux, les arrangements. Puis ça a marché comme par magie. Là, c'était vraiment bien. OK. En fait, c'est plutôt un truc curiosité personnelle. Voilà, il a quand même été avec vous pendant un moment. Et maintenant, il était membre définitif du groupe maintenant. Oui. Quel est le moment que le musicien décide « Ouais, j'ai quelqu'un qui fait des tournées avec moi, un live musician, et maintenant, je veux le mettre en plein temps au groupe. » Quels sont les points positifs et négatifs d'avoir des musiciens qui sont ou non permanents au groupe? Mais c'est comme quelqu'un qui n'est pas permanent, c'est plus comme un employé, si on peut voir ça comme ça. Mm. Puis quelqu'un qui est parti du groupe, on est les quatre, tout le monde est égal, puis on a les mêmes buts, les mêmes objectifs. Mm. Et avec Oli, nous, c'était plus comme...
On a Max qui est sur le côté. On pensait qu'il allait revenir. On voulait lui donner sa chance de revenir. Puis là, il a des problèmes de santé. Il nous a écrit. Il dit il a des problèmes avec ses bras, tendinite. Il voit des médecins pour arranger ça. Mais il dit présentement, il ne peut pas performer comme il devrait. Mm-hmm. Alors, au lieu de revenir et faire du tort au groupe, il a préféré de dire ben allez avec Oli. Puis on se redonne des nouvelles dans un an, deux ans, trois ans, voir comment ça va. Puis il va faire de la physio et tout ça. Et puis si ça va bien, mais peut-être là on aura un retour de Max, mais jusqu'à présent c'est Oli officiellement le batteur du groupe. Okay. On préfère fonctionner comme ça, être un groupe à quatre, qu'avoir trois et un gars qui est sous contrat c'est ou vrai, qui n'est pas vraiment dans le groupe, ça fait bizarre, je trouve. Oui, je trouve, mais il y a quand même des groupes qui sont une, deux personnes seulement, et après que des musiciens qui jouent avec eux live, c'est difficile à voir pourquoi. Oui, absolument, mais nous c'est... Il y a le côté financier et tout ça, mais nous, on préfère être quatre frères dans le groupe. On va tous les quatre, on vit toutes sortes de situations, puis de hauts et des bas. Et puis c'est le fun d'avoir les quatre musiciens qui veulent la même chose et puis qui on se bat pour la même chose. Quand t'es un gars qui est juste là pour l'argent, c'est pas pareil. C'est comme avoir un mercenaire un peu dans le groupe, et puis les soldats qui se battent avec le cœur, mais nous, on préfère être quatre avec le cœur qui va à l'attaque, c'est ça. C'est mieux. Ouais. OK. Une question, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Vous venez de me dire que vous avez fait un effort pour faire un album un peu différent, pour être, pour changer un peu. Au même temps, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Nergal de Behemoth, il a fait un commentaire sur les groupes aux États-Unis qui sont un peu embêtants, qui n'ont pas énormément de sentiments de leur musique. Vous êtes nos voisins au Canada, vous jouez le death metal. Qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet-là? Moi, mon opinion, c'est je dirais, pas juste les groupes américains, mais c'est les nouveaux groupes en général, les plus jeunes qui jouent de la musique. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup meilleurs musicalement. Il y a vraiment un effort que... Je crois que quand tu commences à jouer un instrument avec YouTube et la nouvelle ère informatique, tu peux apprendre vraiment plus rapidement. Et tu as accès à l'information. Et si tu es un peu branché dans ce truc-là, tu peux vraiment obtenir un bon niveau de playing rapidement. Je crois que le laisser aller, c'est au niveau des compositions. Ça a fait des super bons musiciens techniquement, mais je vois moins en moins des artistes qui sont capables d'écrire des bonnes chansons mémorables que tu vas écouter. Puis dans 20 ans, ça va être encore « wow, je me souviens de cet album-là ou cette chanson-là ». Puis je trouve que c'est qu'est-ce qui manque avec les nouveaux groupes d'aujourd'hui. Puis j'essaie de... Quand on est en tournée, on tourne beaucoup avec des jeunes groupes et j'essaie d'expliquer ma vision des choses et beaucoup ont la même opinion. Et puis et je crois que j'essaie de faire changer un peu les choses à ce niveau-là. Je trouve que c'est ça qui manque, mais du talent, il y en a. Il y a des batteurs incroyables, des guitaristes phénoménales. C'est vraiment beau à voir. C'est juste un côté arrangement... arrangement puis écriture des pièces, c'est ce qui manque un peu ce côté-là, mais il y a des groupes, des très bons groupes aussi qui sont très bons, et c'est bien. OK. Ah ben, moi, je devrais demander un truc, c'est pas le Cataclysme, c'est pour le ex-Dio. Oui. Vous avez annoncé que vous n'allez pas jouer au moins pendant un moment, je sais pas si c'est par un an ou non. Est-ce que ça c'est... La raison de tout ça, c'est à cause de votre agenda avec Cataclysme? Oui, puis il ne faut pas se cacher, on n'est plus aussi jeune qu'on était il y a quelques années. Faire deux groupes back-à-back, ça veut dire être sur la route tout le temps ou en studio. Ce qui est bien, mais on a aussi des familles, on a des trucs sur le côté. Et puis moi, j'ai un enfant qui s'en vient, je veux être un père aussi, je veux pouvoir m'occuper de la famille. Puis en même temps, je veux continuer à travailler le groupe à 100% et faire la musique. La musique, c'est ma vie, mais je crois que c'est plus logique de dire « OK, on met X de l'autre côté, on met tous nos efforts dans Cataclysme, ça va bien, puis on est super inspiré puis excité pour le prochain album déjà, puis on a plein de plans de tournée, puis c'est... » Bon, moi, je voulais un petit peu des questions personnelles. Vous voyagez partout au monde. Oui. Où est votre pays préféré pour faire une tournée en considérant
voilà comment vous pouvez manger. Je dirais au Japon, j'ai vraiment apprécié la nourriture asiatique. J'ai découvert plein de trucs là-bas, puis j'ai vraiment aimé ça. C'est très différent. J'aime essayer les nouveaux trucs, peut-être c'est pour ça. J'ai hâte de voir le Brésil, on entend beaucoup parler. Ah oui, le barbecue de... Brésil. On entend parler beaucoup. Voilà, après, donc en parlant de tournée, vous allez au Brésil. Après, vous avez le festival d'été. Ouais. Et qu'est-ce que c'est l'agenda pour la fin de l'année? Ah, on a déjà encore. On va revenir aux États-Unis. On a une tournée de prévue avec Suffocation. Ah, super! Et on va faire ça avec Suffocation Cataclysm. On va faire un mois de tournée aux États-Unis. On va faire surtout aussi les villes qu'on n'a pas pu faire sur cette tournée. Essayer de faire l'autre côté des États-Unis. Okay. Mais on va aller quand même un peu partout. Et puis. Ça va être bien, c'est des bons amis à nous. Fait que j'ai hâte à cette tournée, ça va être bien. Après, on prévoit un retour à l'Europe peut-être au début de l'année prochaine. Okay. Et puis ensuite de ça, il y a déjà les festivals de l'autre été qui nous veulent. Il y a un paquet de festivals. Cette année, on n'en fait pas tant que ça. On en fait peut-être 5 ou 6, je crois, avec quelques dates de clubs entre. Alors l'année prochaine, il y a les autres qui veulent nous avoir. Et puis on est déjà en train de travailler là-dessus. Et ensuite, un nouvel album, peut-être, on est en train déjà d'écrire. On a deux, trois pièces de côté. Et puis, on est excités. Ça s'est tellement bien passé pour le dernier album qu'on a déjà plein d'idées pour le prochain. Puis, on a hâte de mettre ça ensemble. Wow. Ouais. OK, donc, dernière question. Est-ce que vous avez un message pour le spectateur de Spirit of Metal? Juste dire un gros merci à tout le monde qui nous supporte depuis... toutes ces années et les nouveaux fans qui viennent se rejoindre à nous. Nous, on est un groupe, on fait ça, on a parti ça avec passion et cœur depuis 10 ans. On met autant de passion et cœur dans ce qu'on fait maintenant. Et je crois que quelqu'un qui nous supporte, je voudrais remercier les fans parce que Sans les fans, ça n'aurait pas été possible. Et puis, année après année, nos CD vendent, on fait des spectacles, les gens viennent, achètent les T-shirts, c'est génial. Alors, un gros merci. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Mm-hmm.